Ouais, voilà, donc là on est en stand-by juste avant Ouessant. Donc on y a passé la nuit puisqu'on est parti hier soir à 17h du port du château de Brest. Et là on va partir d'ici une petite demi-heure, là il est 7h30. Donc on va partir sur les coups de 8h pour cette tentative 2011 de trophée Jules Verne. Tout le monde vient de se réveiller. Parce qu'on a profité pour dormir toute la nuit, histoire de partir reposer. Un peu quand même. Au début. On est en train de monter déjà. Ça va monter assez vite pendant la prochaine heure. Ça va monter aux 21 heures dans une heure et après monter plus doucement jusqu'à la trentaine, 31 heures et à 31 fichiers. On peut attaquer un peu, je crois, au début pour aller chercher le vent et après ça sera du BMG. Donc c'est Henry String pour décoller, on va décoller sous trinquette. Là on n'est pas loin de la ligne où on arrive à abattre. Et deux riz après. Vas-y, à plus. Bon là tu coupes Jean-Bat alors. Dès le départ comme ça. Ah oui, moi j'attendrai de voir comme ça. Ouais, là ça doit marcher. Avec les 135, il y aura plus. Il est quelle heure en local là en... Flo ? L'enrouleur ! Devant ! On attend un peu. D'accord. On regarde si on est bien réglé, on ouais. Ouais, on peut. On est bien réglé, là on lance un coup et on revient là-bas après. Bon, Loïc, un petit timing ligne là, s'il te plaît. Allez, on va dire dans 3 minutes, on coupe la ligne de départ. Donc de là, ce. On est un restring, c'est-à-dire le petit genac. Ouais, attention. On soulage un peu. Il y a un petit peu de vagues, il y a un petit peu de mer qui se sont levées au large de la Bretagne. Et on va couper la ligne à 20-30 nœuds de vitesse, tout va bien. Avec du vent qui va forcir un peu. Et c'est pas mal. Petit string, une petite trinquette, un riz dans la grand voile et ça va bientôt descendre à 2 riz dans peu de temps. Et c'est joliment fait, tout va bien. C'est pas mal comme ça? Ouais. Elle est propre. Ça va couper dans 2 minutes. Ouais. Et c'est parti pour une petite croisière autour du monde. C'est aussi simple que ça, hein. Bon voyage les gars.